ça manquait de se noyer. Eh bien, ce type est doué. L'antre de Vultus est inondé. Dommage pour Vultus. Ce n'est pas fini. Grâce au collier que vous m'avez rapporté, j'ai pu prouver au conseil que Vultus faisait des recherches sur le contrôle de l'esprit, ce qui est formellement interdit. Le conseil n'a guère eu d'autre choix que de confisquer son matériel occulte, ses ingrédients, ses grimoires, tout. Alors le collier appartenait à Vultus. Oh oui, sa signature arcane est inimitable. J'ai l'impression que c'en est fini de lui désormais. Maintenant, il croupit dehors parmi les cutéreux. Beau travail, félicitations. Est-ce que ça signifie que vous allez enfin me laisser voir Mère Darion ? À titre exceptionnel, oui. Voici un sceau de Touchou. Montrez-le à Calamus, et il vous laissera pénétrer le cercle interne. Vous trouverez le grand maître de l'eau juste au-dessus du sanctuaire. D'accord. Attendez, le sceau prouve que vous êtes membre de la confrérie de Touchou, et nous n'apprécions pas que nos frères pratiquent la mendicité. Trouvez-vous une tenue convenable. Alors je ne pourrai plus vous dire non. Peut-être que le brouillard était dû à l'hôtel et que ça n'était qu'une question de temps. Quoi de neuf ? Idiot. Le chapeau ? Voici votre chapeau. Ce n'est pas le mien. Mais cet or est à vous. Prenez-le. Vous avez aidé cette sorcière ? Disparaissez. Ce n'est rien de personnel, Vultus. Je dois voir Mère Darion. Avec moi. Vous auriez eu cela et bien d'autres choses. Dégagez. Un sceau de la confrérie. Depuis quand êtes-vous l'un des nôtres ? Laissez-moi entrer dans le sanctuaire. Je dois parler à Mère Darion. Comment êtes-vous parvenu à convaincre Gilana ? Peu importe. Ça m'est égal, de toute façon. Entrez ! Que se passe-t-il entre Vultus et Gilana ? Vultus et Gilana ont des divergences académiques. Telles que... Leur perception de ce que l'on appelle la recherche arcane diverge considérablement.
Gilana est vouée corps et âme à la connaissance des anciens. Elle considère que les expériences de Vultus sont puériles. Et laissez-moi deviner, Vultus pense exactement le contraire. Tout à fait. Il pense que la magie ne progressera jamais si nous ne faisons que contempler le passé. Selon vous, qui a raison ? Vultus ou Gilana ? Les deux. Alors Vultus s'est exilé dans la cave à cause de son inimitié avec Gilana ? Je crois que c'est le résultat que recherchait Gilana. Certains de mes collègues sont devenus las de leur querelle, surtout lorsqu'ils ont commencé à saboter activement leurs recherches. Cela a profondément affecté les autres membres. Et vous ? Tant qu'ils ne s'approchent pas de ma bibliothèque, je trouve leur dispute plutôt divertissante. S'il continue à pleuvoir ainsi, Blackwater va bientôt devenir un port de commerce. Êtes-vous Mère Darion ? Je le suis. Qu'est-ce qui vous mène jusqu'à moi, étranger ? Je souhaite connaître les noms des mages qui ont visité les archives du château de Silver Lake il y a quelques jours. Pourquoi voulez-vous savoir cela ? J'espère qu'ils pourront m'apprendre quelque chose sur un temple ancien dans les montagnes. Sur une carte que j'ai trouvée dans les archives du château, le temple est repéré, mais il n'y a aucun chemin qui y mène. Votre soif de connaissance est louable. Laissez-moi réfléchir. Oui. Je me souviens. Icarius a demandé des fonds pour effectuer des recherches à Silver Lake. Icarius ? Et l'autre mage ? Quel autre mage ? Icarius s'est rendu seul à Silver Lake. D'ailleurs, j'attends toujours son rapport. Il n'était vraiment pas accompagné ? Vraiment pas. Mais maintenant que vous le dites, les fonds qu'il a demandés étaient plutôt élevés. Suffisants pour deux. Quel est le problème ? Je ne le sais pas. Pas encore. Où puis-je trouver Icarius ? Il occupe les mêmes quartiers qu'un bibliothécaire. Calamus saura sûrement vous dire où trouver Icarius. Pourquoi ne mettez-vous pas un terme au conflit entre Vultus et Gilana ? Ah, quel sujet intéressant. Ils essaient de se surpasser l'un et l'autre, et repoussent ainsi tous deux leurs propres limites. Ils sont indispensables l'un à l'autre. Mais que faites-vous des personnes qui sont impliquées dans leur conflit ? Nous préconisons une certaine indulgence. Toutefois, si Tushu devait être sincèrement affecté par ce conflit, nous interviendrions, évidemment. Bonjour, mon ami. Bienvenue dans le sanctuaire, mon frère. Qu'est-ce qui vous mène jusqu'à nous ? La connaissance. Je recherche la connaissance. Comme nous tous. Vous êtes au bon endroit. J'ai entendu dire que Robard III était autrefois votre ami. C'est exact. Ça a été très douloureux pour moi de l'abandonner ainsi. C'est un homme angoissé qui porte sur ses épaules un lourd fardeau. Ses intentions sont louables, mais rester à ses côtés était devenu insupportable pour moi. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Je préfère ne pas parler de cela. Pardonnez-moi. Qui êtes-vous ? Mon nom est Milton. Je suis l'un des fondateurs de Tushu. Cet arbre est impressionnant. En effet, il n'existe aucun autre endroit comme celui-ci. Les mages du feu, mages de l'eau, et oui, même les mages noirs mettent leurs divergences de côté et sont réunis par leur soif de connaissance. Je parlais de l'arbre en lui-même. C'est vous qui l'avez fait grandir ainsi ?
Non, l'arbre est vieux, ancien même. J'imagine qu'il pousse directement au-dessus d'une ligne de force. Il rassemble les symboles des trois dieux, c'est un signe. Tous les mages sont égaux à Tushu. Mais l'ordre officiel, Dinos, il désapprouve Tushu, n'est-ce pas? Le grand mage Pyrokar a été arrêté par le dogme. C'est très malencontreux. Que représente le feu? La cime de l'arbre est à l'image du signe d'Inos. La flamme sacrée brûle en son honneur. Alors le sanctuaire est consacré à Inos, c'est ça? Non, cet endroit rassemble les autels des trois dieux. Nous sommes tous égaux ici. Mais le sanctuaire se trouve à la cime, dans le signe d'Inos. Je vois du feu, mais je ne vois ni eau ni ombre. Regardez autour de vous. Nous sommes cernés par les eaux. Le royaume d'Adanos. Loin sous l'arbre rôdent les ombres, en l'honneur de Béliar. Alors, l'arbre tout entier est sacré, mais la cime l'est encore plus? Oui. Non. C'est compliqué. Apparemment. Vous êtes plutôt sociable pour un grand maître. Mon expérience m'a enseigné la modestie. Qui ose me déranger? J'ai des questions à vous poser. Je n'ai pas de temps à consacrer aux novices. Est-ce que vous m'insultez? Partez. Vous êtes toujours de mauvais poil comme ça? Je vais devoir toucher deux mots à Gilana. Oui? Avez-vous vu Icarius? Non, pas depuis que je... Eh bien, il s'est réfugié dans notre alcôve. Peut-être y est-il encore. Que voulez-vous à Icarius? Cela ne regarde que Mère Darion et moi. Mère Darion? Ce n'est pas bon. Tenez, la clé de notre alcôve. Je ne m'approcherai pas. Où se trouve votre alcôve? C'est la dernière alcôve sur la gauche, en direction du sanctuaire. Mort. Il est mort. Apparemment depuis quelque temps déjà. Ça fait un moment qu'il est froid. Oh, grand Dieu. C'était pas mon intention.
Ce n'était pas votre intention. Je pensais... Il m'a dit... Il voulait juste... Je l'ai cru. Qui avez-vous cru? L'homme avec un bandeau sur l'œil. Je croyais qu'il n'était qu'un voleur. Cette crapule que vous avez laissée entrer a dû assassiner Icarius. La question est, pourquoi? Icarius avait-il des ennemis? Non, non, c'était quelqu'un de calme et d'amical. La mort d'Icarius doit être liée au temple. Quel temple? Icarius et un autre mage ont visité les archives du château de Silver Lake. Qui que soit l'autre mage, il court un danger mortel désormais. Icarius s'est rendu seul aux archives. Voilà ce que je sais. Toutefois, son ami Lester était avec lui. Lester? Oui, un individu étrange. Il appelle tout le monde mon ami. Je dois me dépêcher. Il est peut-être déjà mort. Où puis-je trouver Lester? Il vit dans une cabane dans les marécages, derrière les champs d'herbe des marais, au sud-ouest d'ici. Bien, je dois me dépêcher. Oh, je vois maintenant. Attendez! Quoi? Il a emporté des parchemins contenant des sorts d'invocation. Je les conservais dans ma chambre pour les répertorier. Que peut-il invoquer avec ces sorts? Des golems. Autant qu'il le souhaite. Des golems. Icarius est mort. Icarius? Comment? Il a été assassiné. Qui? Je dois partir. Félicitations! Quoi de neuf? Icarius est mort. Ah, quel idiot! Il est tombé de l'arbre? Il a été assassiné. Étrange. Je ne lui connaissais aucun ennemi. Salut.
Hé, hey, patron! Que faites-vous ici? Je cherche Lester. Où est-il? Bonne question. Nous devions nous retrouver ici pour parler du bon vieux temps. Je suis inquiet. Il est en retard. Beaucoup trop en retard. Cet endroit ressemble à un champ de bataille. Oui. Bien que Lester n'ait jamais été très ordonné, cet endroit ressemble vraiment à un champ de bataille. Peut-être a-t-il été enlevé? Ou assassiné. Assassiné? Oui, comme Icarius. Icarius est mort? Aussi mort que peut l'être un homme avec une dague plantée dans la poitrine. Qui peut bien vouloir assassiner Icarius? Et Lester? Je crois que c'est lié au temple ancien qu'ils ont étudié dans les archives du château de Silver Lake. Pourquoi quelqu'un assassinerait-il Icarius et Lester pour une histoire de temple ancien? Ça n'a aucun sens. Lord Hagen a envoyé ses espions à la recherche de ce temple. Ça a quelque chose à voir avec l'enclume sacrée qu'il recèle. Hagen? Alors l'heure est grave. Nous ne devons plus perdre de temps. Nous devons retrouver Lester. Si Lester est en vie, peut-être qu'il a laissé une piste. Des vêtements, des boutons, des miettes de pain. De l'herbe des marais. De l'herbe des marais. De l'herbe des marais. Lester a toujours de l'herbe des marais sur lui. Je vais avoir besoin de votre aide. Je suis tout oui. Je vais lancer un sort. Si Lester a pensé à me laisser une piste d'herbe des marais, mon sort l'illuminera. Ainsi, vous pourrez suivre sa piste et secourir Lester. Moi? Vous ne venez pas avec moi? Non, hélas. Je dois rester à proximité des champs d'herbe des marais pour me concentrer sur l'essence de l'herbe. Sinon, mon sort échouera. D'accord. J'y vais seul. Le sort de Lester est entre vos mains. Kinos vous guide.
Qu'est-ce que c'est ? Cette vermine ose me déranger ? Je ne suis pas une vermine. Mon nom est... La vermine parle. Ce geste d'arrogance de ta part sera le dernier. Madrok, tu ne... Essaie donc, Madrok. Viens ! Comment vas-tu, mon ami ? Lester ! Tu es là ? Oui. Et en un morceau, mon ami. Je te dois la vie. Comment m'as-tu trouvé ? Milton m'a aidé. Milton ? Où est-il ? Près de ta cabane. Je dois aller le voir maintenant. Attends !
Dis-moi ce que tu sais sur le temple dans les montagnes. C'est curieux. C'est ce que voulait savoir cette femme démoniaque et ses orques. Je ne leur ai rien dit, mais... je te dois beaucoup. Eh bien... il y a très très longtemps... Non, raconte-moi la version abrégée. Je veux simplement savoir comment m'y rendre. Où est l'entrée? Malheureusement, je n'ai pas réussi à la trouver. En revanche, j'ai découvert autre chose. Quoi? Cela, mon ami, je ne te le dirai que lorsque tu m'apprendras pourquoi tu t'intéresses au temple. Alors, pourquoi recherches-tu ce temple ancien dans la montagne? Un ami m'a demandé de trouver ce temple. Son nom est Diego. Diego? Alors il recherche le temple lui aussi? Oh, c'est bien, mon ami, très bien. Est-ce que ça veut dire que tu vas m'aider? Oui, je vais t'aider. Dis-moi simplement ce que tu as appris. Sur la falaise, à l'est d'ici, se trouve un vieux monastère isolé. Les moines qui y vivent se vouent au culte d'Innos et de Béliard, et ils semblent avoir un lien assez étrange avec le temple. Si quelqu'un sait où trouver ce temple, c'est bien eux. Comment puis-je me rendre au monastère? Est-ce que tu vois cette porte avec des statues? Derrière se trouve une ancienne route qui va des marécages au monastère. Le monastère se trouve à l'est d'ici, au-delà d'un pont de pierre naturelle. Les orques ont appuyé sur la statue et la porte s'est ouverte.